Bonjour, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo sur le module F104 parce qu'il y a du nouveau et quelque chose de vraiment intéressant. Le F104 a changé de modèle de vol et il y a aussi une autre nouveauté, c'est que nous avons un cockpit qui ressemble, qui n'est pas exactement, mais qui ressemble à l'original. Alors, je pense que le plus intéressant, c'est le modèle de vol, car nous sommes maintenant passés à un modèle de vol qui est beaucoup plus réaliste et l'avion est beaucoup plus délicat. Alors, on va regarder un petit peu ce que c'est que ces modèles de vol. On est passé sur un modèle de vol qui est dit EFM. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez taper DCS plus EFM sur votre moteur de recherche. Vous arriverez assez facilement sur l'excellent site Check Six et vous avez ici une description des différents modèles de vol qui existent pour DCS et on vous explique ici le modèle EFM qui est un modèle créé par des tierces parties. Donc voilà, c'est ce qui est vraiment intéressant dans cet avion, dans ce F-104. J'ai pu faire quelques missions et je dois dire que eh bien, j'ai eu quelques problèmes assez rapidement. L'avion est vraiment un faiseur de veuve, comme il était dit à l'époque. Alors, comment trouver le module? Vous tapez DCS Locon Forum sur votre moteur de recherche. Hop. Donc, vous allez arriver assez rapidement à cette page-là. https://www.loconforum.de. Vous cliquez dessus. Vous allez ici sur Community. Vous descendez un peu et vous allez ici sur Mods. Alors c'est en allemand, mais c'est pas bien grave. Et vous allez trouver, alors aujourd'hui il est en haut de la liste parce que le mode a été mis en ligne il y a peu de temps, il y a 14 heures. Vous allez trouver ceci avec EFM d'affiché. Vous cliquez dessus et vous allez arriver ici. Vous cliquez ici et vous arrivez sur cette page de téléchargement. Vous cliquez ici. Vous attendez les 15 secondes. Voilà. Voilà, vous cliquez. Et normalement, ça démarre tout seul. Ou sinon, vous cliquez ici. Voilà. Vous enregistrez. Vous l'avez bien ici. EFM. Hein. Voilà. Alors, par contre, il nécessite Flaming Cliff 3. Hein. C'est important. C'est toujours un module lié à Flaming Cliff. Donc, vous l'enregistrez. Moi, je l'ai déjà enregistré. Je ne le fais pas. Voilà. Une fois que c'est enregistré, nous allons voir comment l'installer. Alors pour ce faire, je vais quitter DCS. Donc une fois qu'il est téléchargé, vous l'avez ici, vous le cliquez, vous l'ouvrez avec cette zip WinRAR ou le logiciel qui vous convient. À l'intérieur, vous avez ce répertoire. Donc c'est toujours le même principe avec les modules externes de la communauté. Toujours la même chose, vous allez sur votre disque C, utilisateur, votre compte. Vous allez après dans partie enregistrée, DCS ou DCS Open Beta. Après dans Mods, dans le répertoire Aircraft, si vous ne l'avez pas, vous le créez. Hop, et là-dedans, vous avez certainement quelques modules déjà. Vous prenez ce module, vous le glissez et hop, vous relâchez. Bon, moi, je l'ai déjà, il est ici, donc je ne vais pas le faire. Et il s'installe. Voilà. C'est fait. Vous refermez. Voilà. Alors, pour ce qui est des modules, je vous conseille toujours le A4EC, la dernière version, est vraiment très sympa, il est extra. Mais ce F104 est pas mal non plus. Alors, on va lancer maintenant DCS et on va voir comment faire voler l'avion. Donc voilà. Alors j'ai mis le fond d'écran qui correspond. Sinon vous le trouvez, vous allez un peu plus loin dans les V. Voilà. Et voilà, il est ici. Voilà. Vous pouvez activer le thème qui est vraiment chouette. Donc on va aller dans l'éditeur de mission. On va prendre la petite mission que je me suis créé et qui paraît toute bête, mais qui n'est pas si évidente que ça quand on n'a pas l'habitude de cet avion. Donc j'ai mis 4 B52 à 10 000 mètres et on démarre à froid ici. Et j'ai fait plusieurs fois la mission et je dois avouer que je ne suis jamais allé jusqu'au bout. J'ai toujours fini par décrocher
Et une fois qu'il est en vrille, ben moi je suis absolument incapable de la rattraper et de reprendre le contrôle. Donc il faut vraiment faire attention. C'est ce qui est vraiment sympa dans ce modèle de vol, c'est qu'on est face à un avion qui est très différent de ce qu'on peut avoir déjà sur DCS. Alors on va regarder ce que l'on a. On a des livrées. Voilà, ici. Un certain nombre de livrées, je vais rester sur celles-ci, elles sont vraiment très très chouettes. On a aussi ici la possibilité d'avoir le G ou le S. Le G, la version allemande, et le S, la version italienne. Alors elle est légèrement différente, je crois que la version italienne, on doit avoir un pylône de plus. Mais bon, je vais rester sur le G. Voilà, donc l'armement possible. Là, je me suis fait un armement avec juste des missiles, ce qui est peut-être pas une très bonne idée parce que ça consomme quand même pas mal de carburant. Je vais peut-être revenir sur cette version-là avec des bidons et un petit peu moins de missiles. Donc on a la possibilité ici donc d'avoir bidon ou missile. Ici on a la possibilité d'avoir des bombes, des missiles air-air, air-sol, roquettes, réservoir de carburant. Ici missiles air-air seulement. Ici bombe et puis après c'est symétrique. Donc je vais rester sur cette configuration. Voilà. Et on va lancer la mission et voir un petit peu comment démarrer l'avion, mais ça c'est relativement simple. Voilà, nous sommes dans le cockpit. Donc nous sommes dans du Flaming Cliff, donc pas de cockpit cliquable. Alors c'est toujours la même chose, mage droit L pour, voilà, mettre en service les systèmes. Le moteur, là c'est mage droit plus début, touche début. Voilà, c'est parti. On ferme le canopy avec contrôle gauche plus C. Voilà. Vous voyez que les textures sont pas extraordinaires, mais c'est vraiment pas important. Point d'interrogation, hop. Et voilà, on est bon. Il nous faut comme touche en attendant que ça démarre. Alors, on a besoin de. Donc bien sûr, la manette des gaz qu'il faut inverser. Moi j'ai aussi dû inverser le freinage droit et gauche sur mon palonnier. On va avoir besoin des alidades pour le radar ici. Voilà, pour jouer avec le radar. On a besoin d'une touche importante, c'est celle-ci, dirigeabilité de la roulette de nez NWS. Voilà, celle-ci est importante pour pouvoir tourner. Vous verrez que vous avez celle-ci, touche S. Moi, chez moi, elle fait rien. C'est celle-ci qui fonctionne. Le tir de missile, c'est ici. Tir armement, bouton BRM. Le tir au canon, c'est ici. Le canon, touche C. Voilà. Le radar, touche I, si on le souhaite. Basculer les armements, touche D. Rien d'extraordinaire. Après, les modes. Les différents modes, le mode navigation touche 1, les modes de combat BVR, pour moi il n'y a pas de BVR là-dessus, si ce n'est pour le radar, qui est certainement pas une simulation du radar du F-104, j'ai l'impression que c'est plus le radar du F-15, et sinon après les modes de combat rapprochés pour les Sidewinders, le mode 3 et 4 qu'on peut utiliser. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On va pouvoir commencer à rouler. Alors, on va enlever les étiquettes pour utiliser le radar. Allons-y, on roule. Donc, on va appuyer sur la touche qui nous permet de tourner. Hop, on maintient la touche appuyée et on joue au palonnier. Et on peut tourner. Alors, je vous conseille d'adoucir un petit peu au niveau du palonnier. Sinon, il est vraiment très sensible. Il faut adoucir un peu la courbe. Voilà. Alors, les textures sont vraiment très chouettes. L'avion est vraiment, vraiment chouette. Enfin, moi, j'aime bien. Et il est vraiment surtout atypique par rapport à ce qu'on a comme module actuellement sur DCS. Alors, je ne sais pas si je vais venir à bout des 4 B52, c'est pas évident.
Faut faire vraiment attention. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Il faut faire attention ici. Des fois, ça s'allume. Faire attention à la gestion du moteur, pas être tout le temps à fond. Si vous voulez que ça s'allume ici, il faut baisser la manette des gaz. Qu'est-ce que j'ai pu avoir comme autre information? Si vous essayez de faire du dogfight pour pouvoir tourner plus facilement, d'après ce que j'ai pu voir sur une vidéo de Grim Reapers, il peut être très intéressant de sortir les volets, mais attention à la vitesse à laquelle vous les sortez. Ça permet apparemment de tourner beaucoup mieux. Il y a une excellente vidéo sur la chaîne Grim Reapers où ils font du dogfight avec un F-104 contre un MiG-21. C'est assez sympathique. Je vous invite à aller regarder. Donc on maintient la touche et on tourne. On va décoller, on va essayer d'aller trouver nos forteresses, nos B-52. Faut bien maintenir le bouton enfoncé, sinon ça tourne pas. On essaie de s'aligner, alors attention ici. Essayez d'être le mieux aligné possible avant de relâcher la touche. Voilà, ça devrait pas. Ah, c'est pas terrible. Ah là là, voilà, juste ce qu'il faut. Alors, on va essayer de refaire un alignement. Voilà. Allez, on gaz à fond. Je mets pas de volet. On a la vitesse ici. Vers 200. Allez, on va tirer. Tout de suite, le train. Voilà. On monte un peu. Et on va essayer de se mettre en palier pour prendre de la vitesse. Après, on ira au 30. On va essayer de passer Mach 1. Je commence à tourner. On va mettre le radar en service, touche I. Donc, on est à peu près à Mach 1. On va remonter la LIDAD pour avoir la portée maxi au niveau du radar. Voilà. On est à peu près à Mach 1. Voilà, donc il va s'agir maintenant de grimper et d'essayer d'accrocher nos quatre forteresses et de revenir se poser entier. Alors la vitesse, on a passé Mach 1. Alors, on va grimper. Alors le carburant.
Voilà, on a les cibles ici, donc on est à peu près. Voilà. On est à peu près dans l'axe, elles sont un peu sur notre gauche. Par contre, on n'est pas assez haut. On est à Mach 1.3, on va monter. Voilà, ça grimpe. Alors attention. Ils sont largement à gauche. Voilà, on devrait les avoir devant nous quelque part. Voilà. Les voilà. Alors on peut trimer un peu. On va choisir une cible. On va se mettre en mode 4 par exemple. Touche F4, pardon, pour utiliser Sidewinders. On va choisir une cible. Donc on est ici en mode dans l'axe. Bord mode. On va se rapprocher. Voilà, donc il vient d'accrocher. Allez, on tire. Bon, je sais pas si ça va marcher avec les. Si, parfait. Touché. Donc alors attention parce que là ça tourne. Vu la vitesse. On ne tourne pas vite. On est à Mach 1.5. On va peut-être baisser un petit peu. C'est là que ça peut devenir délicat. Dans ce type de manœuvre. Vous voyez qu'on perd vite de la vitesse. Je vais remettre de la puissance. Et on va essayer d'attaquer une autre un autre B-52, voilà. On repousse à fond. On est dans les zones correctes d'utilisation du moteur. Ici, on est bon, on n'a pas d'alarme. Ah, visiblement, il s'est perdu. Voilà. Wow. On est passé dans le sillage du B-52. Alors, faire attention dans les virages. Attention à la perte de vitesse. Vous voyez, on en perd très rapidement. Et c'est là qu'on peut perdre le contrôle de l'avion.
On tire, on verra bien. Non, on a raté. Attention, si vous tirez trop sur le manche. Vous voyez là, j'ai baissé un peu la puissance et je tire à fond sur le manche. Je vais essayer d'en retrouver une autre derrière. On va essayer d'attaquer celle-ci. Voilà, j'ai plus de missiles, donc on va passer au canon, touche C. Voilà, en face à face, ça va être délicat. Bon. Toujours attention ici à la vitesse. On va réduire la vitesse. C'était juste. J'ai pas descendu. Attention au décrochage. Voilà, on reprend la vitesse. Pas terrible. Pas se mettre dans la traînée. Ah, attention, quand on entend cette alarme, faut être très prudent. Ah, il est détruit.
Allez au-dessus. Il n'y a pratiquement plus de carburant. Va falloir aller se poser. Alors on va réduire la vitesse. Essayer de trouver un aéroport, un aérodrome. Voilà. Hop, on va mettre un peu de poussée, on va se prendre la piste de gauche, du moins essayer. Aérofrein. Sortie du train, G. On enlève les aérofreins, on remet un peu de poussée. Le train est bien sorti. Alors, j'ai peut-être pas pris dans le bon sens. Voler. Allez, on freine. Voilà. La touche P. Alors, on peut freiner. On n'est pas obligé d'utiliser le parachute. Voilà, on n'a pas besoin de parachute. Juste avec les freins, la piste est longue. Donc voilà. Voilà, on peut rétracter deux aérofreins. Donc voilà, la mission n'est pas franchement réussie. Il reste deux avions qui n'ont pas été détruits, mais au moins, je ne me suis pas écrasé, j'ai pas perdu le contrôle de l'avion. Pour une fois, j'ai réussi à rentrer. C'est la première fois donc que je rentre, que j'arrive à me poser. Les fois précédentes, j'avais perdu le contrôle de l'avion. Je trouve qu'il est vraiment sympathique pour ça. C'est vraiment différent de ce que j'ai pu utiliser jusqu'à maintenant sur DCS. Voilà, bon vol à vous et à une prochaine fois si vous le souhaitez. Au revoir.